Salut tout le monde, c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et on est parti pour la manche numéro 4 sur le Grand Prix de Silverstone. Vous allez voir, scénario un petit peu complexe pour nous, je vous en dis pas plus, comme d'habitude n'hésitez pas à like et à vous abonner, bientôt F1 2023, plein de vidéos, que ce soit My Team, Carrière et également tout ce qui va se passer au niveau des tutos et des circuits, de comment prendre des bons départs, comment enlever les aides, etc. En tout cas on est parti, vamos. Allez, on est parti avec la high-tech de 2022 parce que en 2021, il n'y avait pas les pneus soft pour Silverstone. En tout cas, on est parti du coup en contre-la-montre pour aller chercher un énorme tour mondial. On arrive ici sur le plus gros freinage de ce secteur 1. On va freiner au niveau du panneau 50 juste un petit peu avant. On reste en 3e ou en 4e ici. On va relâcher, on va pas freiner. On va juste se servir du frein moteur et ensuite on va accélérer pied au plancher ici. Avec la F2, ça passe crème. On peut vraiment accélérer très très fort avec ces monoplaces. C'est très plaisant. On sait que sur le prochain F1 23 justement, eh bien on pourra bien accélérer, il y aura beaucoup plus de grip. On freine au niveau du panneau 50, on descend de rapport, on amène la voiture ici à l'intérieur. Et ici, hop, on va relâcher la voiture un petit peu au niveau de l'axel. On va descendre un rapport et le remettre par la suite ici au niveau du vibreur. Et on accélère au maximum, on va arriver sur l'ancien premier virage. On va juste relâcher et descendre un rapport. Hop, on met la cinquième, on relâche un tout petit peu. Et ensuite on va remettre la vitesse par la suite. On va arriver sur les mythiques Maggots Beckett Chapel. On va relâcher l'accel ici. On va descendre un rapport ici. Et ensuite on va descendre le deuxième juste un petit peu avant la corde ici pour accélérer au maximum par la suite, avoir un maximum de grip. On active le DRS. On est dans la ligne droite du hangar. On va arriver ici pareil sur un freinage assez complexe. On va freiner juste un tout petit peu avant le panneau 50. On va aller chercher ici le vibreur, je l'ai un petit peu loupé, mais c'est pas très grave, je suis sur un énorme tour. On va freiner au niveau du panneau 100 mètres. On amène la voiture en 3e, on accélère au maximum ici. On monte bien généreusement sur les vibreurs, on peut se le permettre. Et ensuite, dernière accélération, pardon. Et on en termine avec un 1.37.3. Il me semble que je suis dans le top 30 mondial. En tout cas, ça fait plaisir. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la qualification, je me suis baladé tout simplement 2 dixièmes, voire 3 dixièmes d'avance déjà sur le deuxième. Ça fait plaisir. On a 34 points d'avance. C'est bien parti pour aller chercher ce titre et donc accéder à la F1 pour la saison 2022. En tout cas, si une écurie veut bien nous prendre, parce que voilà, il faut qu'il y ait de la place qui se libère. On a vu beaucoup dans les saisons précédentes des pilotes être champions mais ne pas avoir de baquet. C'était le cas avec Nyck de Vries, hein, notamment, je pense, au niveau des derniers pilotes, avec aussi Felipe Drugovic. À voir si on aura de la malchance ou de la chance. En tout cas, on est parti pour la première course, la course sprint, celle qui rémunère le moins en points et qui est à l'inverse donc de la qualification au niveau de la première jusqu'à la 10e place. Donc on va partir P10 et je vous donne rendez-vous pour le départ. Départ assez mitigé, on a gagné 0 place, mais c'est Zou lui qui a pris 2 places. On va tenter l'extérieur ici sur Armstrong, ça va peut-être passer, et ça passe justement. Attention, il est toujours à l'intérieur, il faut laisser un minimum de place, et ça passe justement. Et Zou qui a eu un petit peu du mal sur l'accélération ici, on va peut-être tenter un dépassement, ça va être un petit peu short. Mais on va rester ici à l'extérieur pour pourquoi pas amener plus de vitesse et pourquoi pas essayer de croiser sur le virage suivant. Et justement, regardez, on va créer une troisième ligne ici et à l'extérieur peut-être dépasser les deux pilotes. Attention, ça va être compliqué, mais attention, Zou, ici on va pouvoir le dépasser. Et justement, on le dépasse et on est juste au contact de Drugovic, on est très très proche de lui. On va pas trop insister, on va attendre justement l'ancien premier virage et peut-être si on ressort mieux, aller le dépasser avant Maggots Beckett Chapel. Et regardez, on va ressortir un tout petit peu, mais on est blotti ici dans ces diffuseurs. On a 85 millièmes, c'est rien du tout. On va se montrer à l'intérieur, justement, on est là. Ouh là là, il s'est un petit peu loupé sur le vibreur. Je pensais pas du tout qu'il allait relâcher. Et du coup, on a eu un petit contact. Et c'est Zou qui vont en profiter sur son coéquipier. Mais en tout cas, nous, on a validé le ticket de cette 7ème place. Très très bon début de course. Hein. Sur les 3 premiers virages, c'était assez mitigé. Mais là, on s'en sort plutôt bien. Et on va essayer de revenir remonter hein, sur Verschour et Fittipaldi. Et regardez devant, c'est en train de se batailler. Justement, ça fait nos affaires, hein, ces petites batailles sur ces débuts de course. Parce que du coup, ça nous permet de rester au contact et de ne pas perdre la seconde.
Et à Verschoor justement qui va tenter l'intérieur sur Fittipaldi. Attention ici, regardez comment on revient très très rapidement. On va mieux ressortir que Verschoor justement à l'intérieur en bataille. Et regardez directement, on va prendre l'aspiration et ça y est, on se décale. On va dépasser Verschoor sur le premier virage. Et maintenant on est complètement en position pour aller chercher Enzo Fittipaldi en 5ème place. On va tenter le petit dive bomb ici, ça va peut-être passer, ça va passer. Mais il va insister ici à l'intérieur justement. On va essayer de faire un petit croisement. Et Verschoor malheureusement qui va nous toucher. Pas de dégâts sur Richard, en tout cas tant mieux pour lui. Mais il nous a un petit peu gêné sur notre action. Et du coup ben, on va devoir repousser notre attaque sur ce tour. Et regardez, on en freine un tout petit peu plus tard. Attention, drapeau jaune derrière. Peut-être un problème moteur. Oh, on a eu une petite glisse. Deux glisses ici. On les a bien gérées. On a failli partir en tête à queue à deux reprises. Et allez, on va rester au contact. Et justement, tour numéro 3. On n'a pas pu tenter un dépassement sur le tour numéro 2. Mais là, cette fois-ci, on est dans le DRS. On va pouvoir céder de celui-ci. On freine un tout petit peu plus tard que Fittipaldi ici, qui se loupe un tout petit peu. Il a une petite correction. À nouveau une petite correction. On va tenter ici l'intérieur. Pourquoi pas? Et justement, on va le dépasser. Je pense qu'il nous a vu surgir d'un coup. Il a eu un petit peu peur. Il nous a laissé à l'intérieur. Merci bien. En tout cas, dépassement assez facile au final. Ça aurait pu être énorme, super beau. Mais bon, il a relâché directement. Et on est au tour numéro 6. On est revenu sur Schwarzman. Schwarzman un petit peu en difficulté. Regardez, on est revenu très très proche là de la tête de course. On a le troisième devant nous et les deux pour Cher Lungard, les deux coéquipiers qui sont en train de se battre. C'est très très proche ici avec Schwarzman. On penche bien ce secteur 2, on est beaucoup plus à l'aise que l'ensemble du peloton. C'est là où on gagne le maximum de temps. On l'avait vu hein, de toute façon au niveau de la qualification, on est vraiment au-dessus du lot. Et ça y est, on va dépasser Schwarzman ici avec le DRS. Et regardez pour Cher qui est en train de se faire dépasser par Christian juste devant. Et attention. Et on a Schwarzman toujours à l'intérieur ici, il va se défendre, mais on va voir ici justement l'extérieur et l'intérieur par la suite. Et là ça va passer sans trop de difficultés, on monte aisément sur les vibreurs sans trop de difficultés. Au niveau de l'accélération, on se fait plaisir. Allez, on est revenu, tour numéro 7, regardez, déjà au contact de Pourchaire et Lungard, ils sont en train de se batailler. Forcément pour nous, c'est tout bénéfique. Et là, on passe ici, on le sait qu'on est plus rapide, regardez comment on revient facilement dans cet enchaînement, c'est incroyable. C'est vraiment trop trop bien d'être aussi à l'aise avec cette voiture. On va activer le DRS. Ça va être compliqué d'aller tenter une attaque. En tout cas, on a le meilleur premier secteur, le meilleur deuxième secteur. On va peut-être aller chercher le meilleur tour de cette course. Sprint. En tout cas, si on n'a pas de petite bataille là sur ces derniers virages, ça va être possible d'aller le chercher. On va freiner comme d'habitude au niveau du 100 mètres. La petite troisième ici qui fait plaisir pour bien avoir du grip. Et allez, on est parti, on va aller chercher le meilleur tour de course en une 39.7. et il nous reste 3 tours pour aller chercher cette victoire. Il faut d'abord se débarrasser de Théo Pourchaire. Allez, on va tenter peut-être un petit dive bomb ici comme on l'a fait sur les pilotes précédents. Un petit peu trop court ici, je pense qu'on aurait pu le tenter mais c'est pas grave. Ici on va justement profiter d'un maximum de grip et d'une bonne trajectoire. Regardez comme on est revenu très très proche de Pourchaire. On va activer le DRS et là il pourra strictement rien faire. On était déjà tellement proche. Il va décider de défendre à l'intérieur. On va prendre l'extérieur, on va freiner un tout petit peu plus tard. On va la rouler, meilleur premier secteur à nouveau. On a maximisé toutes nos chances et ça passe. Et maintenant, objectif première place. Ça serait incroyable d'aller gagner cette course sprint en partant 10e. Allez, je pense que c'est largement possible de le faire. Ça serait la première victoire en course sprint si je ne dis pas de bêtises. Oh là là, on est tellement revenu vite. Tour numéro 9. Allez, on a plusieurs tentatives, je pense, avant la fin de cette course. On va activer le DRS et là, il va pouvoir strictement rien faire. Regardez la différence de vitesse de pointe. Hop, il décide de prendre l'intérieur. On va insister sur l'extérieur. Et ça va passer sans trop de difficultés au niveau du freinage. Attention, il va assister à l'intérieur. On va lui laisser la place. Ouh, il nous a un tout petit peu touché Christian Lungard. Et il va récupérer cette position. Attention ici. On est justement en train de se faire dépasser par Théo Pourchaire. Mais on va assister à l'intérieur. Et il va insister lui aussi. Attention à l'extérieur, ça passe. Ah, il a été un petit peu gêné hein, par le petit vibreur rouge. Nous, on peut bien le prendre. Mais lui, il a eu un petit peu plus de difficultés. Et allez, on est de retour aussi. Tour numéro 10. Toujours au contact cette fois-ci. Et regardez, là en fait on est tellement à l'aise qu'on peut se permettre de relâcher, de préparer parfaitement notre sortie. Ça, ça fait plaisir. Et on va activer le DRS. Allez, c'est parti cette fois-ci. On va pas se faire avoir. Meilleur deuxième secteur. Allez, c'est parti. Et là,
on le dépasse beaucoup plus rapidement que tout à l'heure. Et on est à l'intérieur cette fois-ci, donc pas de soucis normalement. Et ça passe, on va chercher cette victoire justement. Et voilà, terminé pour Christian Lundgaard. À part si il arrive à rester au contact et bénéficier peut-être du DRS. En tout cas, il ne faut pas vendre la peau douce avant de l'avoir tué. On a eu un petit peu du mal. On a roulé sur le vibreur à l'extérieur, le boudin orange. Et ça fait pas plaisir. Et regardez, justement, il va en profiter Lundgaard sur ce dernier tour. Dernier tour de course qui va gagner ce Grand Prix. Cette course sprint à Silverstone. Ah, il a pris l'intérieur. On a eu un petit peu un écart sur l'extérieur. Ouh, il va freiner tard, il va nous toucher. On perd complètement le contrôle de la voiture. Il n'a pas abîmé son aileron, c'est assez surprenant. Mais du coup, c'est lui qui va prendre la tête de la course. Pourchaire peut-être. Heureusement que Pourchaire ne nous a pas dépassé, parce que sinon on aurait pu dire au revoir à la course, à cette victoire. Et du coup, ces batailles et cette erreur a fait que Schwartzmann a pu dépasser Pourchaire. Pourchaire qui perd le podium. Et regardez, il est loin devant, il est loin devant. Mais on ne va pas donner... on va pas donner la victoire aussi facilement. Allez, on est revenu au contact, ça y est, 4 dixièmes, pardon, ça bégaye fort aujourd'hui, ça bégaye fort, en tout cas ça bégaye pas pour la victoire. Allez, on sait qu'on est plus à l'aise sur ce secteur, la petite descente de rapport, regardez comment on revient, un petit peu de sortie ici, et allez, là on arrive sur nos petits bébés, cet enchaînement, le contact, il a freiné très très tôt. Cette fois-ci, c'est nous qui l'avons touché, mais il n'est pas parti à la faute comme nous. Et allez, on va activer le DRS. On arrive dans le dernier secteur de cette course. On va les gagner. On va les gagner, c'est sûr et certain. On n'a jamais été aussi proche cette fois-ci sur ce tour numéro 11. Et on va le dépasser justement à l'intérieur. Et il n'a pas insisté. C'est assez surprenant. Sur les deux tours précédents, il avait insisté comme pas possible. Et allez, il va peut-être insister. On va prendre l'intérieur pour s'assurer la victoire. Attention, parce que lui va avoir l'avantage ici, mais il a relâché un petit peu trop tôt. Et allez, on va chercher cette victoire en course sprint et les 17 points qui vont avec les 2 points du meilleur tour. Let's go, vamos. Avec la pole, ça fait déjà 21 points, je crois. Et du coup, on va chercher une autre victoire. On est salué ici par Schwartzmann et justement par Christian. Ça fait plaisir, en tout cas, pour Cher, malheureusement, qui n'a pas pu accéder au podium à cause de la petite erreur. Oh, la petite trace là sur l'avant de notre voiture. Je pense que Christian Lundgaard lui aussi doit avoir une grosse trace avec les contacts qu'il a eu avec nous. En tout cas, 17 points, ça fait plaisir. On accentue notre avance et on va aller chercher le titre normalement pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite s'il n'y a pas d'énormes coups de surprise ou quoi que ce soit pour la course qui va arriver. En tout cas, voilà, 35 points d'avance, c'est pas encore joué. Et comme vous pouvez le voir, il va pleuvoir pour cette course principale sans transition. Et ce qui veut dire que je me suis fait avoir parce que ben, j'avais pas vu qu'il allait pleuvoir. Et du coup, j'ai un setup sec. Alors là, je parlais de surprise justement et de scénario un petit peu complexe. Et ben là, je peux vous assurer que ça va être très compliqué parce que la garde au sol, l'aéro, on n'est pas du tout typé plus. C'est peut-être pour ça qu'on s'est baladé au niveau de la qualif avec 3 dixièmes d'avance. Mais là, par contre, ça va picoter. Et du coup, je vous laisse avec ce départ sous la pluie, le premier de la saison. C'est parti. Et c'est Zou qui en a profité malheureusement de notre start un petit peu catastrophique. Et on va peut-être tenter à l'intérieur ici avec les pneus full wet. Il faut savoir qu'on n'a pas de pneus intermédiaires hein, avec les Formule 2. Donc c'est soit les wet, soit tu pars en slick et tu glisses et t'espères que ta voiture ne fasse pas la toupie. On reste premier, mais regardez, à chaque accélération, ça va être la course des enfers pour nous. Si on arrive à se maintenir sur la tête de course, ça serait vraiment un miracle. Mais franchement, j'ai très très peu d'espoir. On arrive ici, fin de secteur 1. On va vraiment tout tenter, mais à chaque accélération, déjà, j'arrive pas du tout à maintenir la même vitesse que quand je suis sur le sec, ce qui est normal, hein, mais on sait qu'il n'y a pas énormément de différence non plus. Mais là, je suis vraiment en difficulté à toutes les accélérations. J'essaye vraiment d'y aller progressivement, mais à un moment donné, ça va faire vraiment bouchon. Et au niveau des virages, j'ai vraiment du mal à tourner. On va arriver ici justement sur l'un des premiers tests. Et regardez, j'arrive pas du tout à tourner, je sous-vire comme pas possible. Et c'est Zou qui va en profiter. Qui va prendre la tête de la course principale. Magosbeck Ketchapelle, regardez là aussi. Bon, je me suis un petit peu surprendre, donc c'est pas révélateur ici. Mais là, on va voir la différence. Là où j'étais ultra à l'aise et sous la pluie, je pense que je vais être vraiment en difficulté. Regardez ici, une petite glisse.
Et c'est Schwarzman qui va peut-être profiter. Il va peut-être prendre l'extérieur. On va défendre sur l'intérieur. On va freiner un tout petit peu plus tôt. Et regardez, ça tourne pas. Peut-être un petit peu trop de vitesse aussi. Petite erreur de ma part. On va perdre la position. On est déjà 3ème. Ah, si ça continue comme ça, on va finir dernier. 22ème, ça va être terrible. Mais là, regardez, je suis très très précautionneux. Regardez l'avance qu'ils me mettent. Ouh, la petite glisse. Attention. Meilleur tour pour Zou, c'est normal, c'est le premier tour de course. Vukovic qui va tenter à l'intérieur peut-être. Et il va se faire dépasser par Armstrong. On arrive sur la fin du tour numéro 2. Ça va, on s'en sort plutôt bien. Attention, on perd à nouveau. Oh là là, on va aller dans l'herbe, un petit séjour. On va aller tondre la pelouse et rémisser un petit peu debout. Et on va passer à la 5ème place. Ouh, la 6ème place juste au bon moment. Parce que sinon, la VSC, on allait perdre la place. Fin de la virtuelle safety car qui a quasiment duré un tour entier. Et à nouveau, à l'accélération ici, c'est très très compliqué. Oh là 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 là. Mais on va vivre une course incroyablement terrible et compliquée. Parce que vraiment, dans toutes les courbes, on a du mal à tourner. Et à l'accélération, c'est très compliqué. Mais regardez, ici, on va tenter le petit freinage qui fait plaisir. Au niveau des freinages, là, on n'a pas perdu de notre superbe avec nos petits dive-bombs qui font plaisir. Mais voilà, toutes les accélérations, c'est super compliqué. Notre ingénieur vient de nous dire que la pluie restera comme telle. Donc, on va devoir vraiment subir jusqu'au bout. Regarde, on a pris 4 secondes par Pourchaire en espace de 1 tour et demi. Armstrong derrière qui s'impatiente. Fittipaldi également. On tente tout, mais voilà, en plus on fait des erreurs de trajectoire ici. À l'accélération, ça va peut-être glisser. Et oui, et bah là, c'est à la fin du virage qu'on glisse et on va toucher le mur. Ouh, on a eu de la chance de pas crever ou d'échapper le pneu. C'était chaud, on a été limite dans les pancartes des ingénieurs. Incroyable. Heureusement, le halo nous aurait protégé quoi qu'il arrive. Mais là, du coup, on a perdu cette 6ème place. 5ème place, pardon. Et pour l'instant, on a réussi juste à récupérer la tête de la course au début justement de celle-ci, mais on n'a pas réussi à se rebatailler. Et safety car, il y a eu un petit accrochage ou alors un problème en piste. En tout cas, safety car, et on va rentrer au stand. Justement, on est rentré au stand hein, pendant cette safety car. On est obligé de faire un arrêt au stand, et du coup, c'est reparti pour cette course. On a gagné justement la 5ème place parce que, ben, forcément, avec les arrêts au stand et les coéquipiers, ça s'est un petit peu gêné. Et à nouveau, on prend les mêmes erreurs, on commence la nouvelle erreur au même endroit que d'habitude. Et Fittipaldi qui va en profiter, on va insister. On sait qu'on peut le redépasser à l'intérieur normalement ici sur le freinage. Ici, on se permet d'être un petit peu plus rapide, et voilà, on freine un tout petit peu plus tard, on prend l'intérieur. Ouh, cette fois-ci ça va être un petit peu compliqué, mais ça va, il n'a pas insisté à l'intérieur. Et là on va subir 4 tours pour essayer de récupérer le top 5. Et on est resté dans le top 5, donc c'est cool. Je vous ai pas montré plus de la course parce que c'était vraiment un enfer. Je finis avec 11 secondes de retard sur le premier. En tout cas, ça va, on limite la casse, on perd 17 points, mais ça va le faire. Ça va le faire pour le championnat. Il reste quelques courses, Italie, Arabie Saoudite et tout. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à like, comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour le référencement avec cette course compliquée. Merci à tous, peace.